Bonjour à tous les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Rocket League, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait, voilà on retrouve nos petites voitures chéries et on va voir si on est chaud, on commence sur un petit match double, très très simple, voilà les classiques quoi, on va pas se prendre la tête, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, voilà, est-ce qu'on partirait pas sur un petit but d'office, voilà, on va commencer comme ça, 12 secondes de jeu, oh là là, attention ça se révolte en face là, il a quand même touché la balle une fois, ce qui paraît incroyable, mais pourtant c'est bien vrai. Ok, alors ça c'est une belle passe, allez on la reprend, et bim, 2-0, salut. Oh joli, belle disparition. Donc j'ai été abducté en fait par un vaisseau, un des vaisseaux de la Vierge Marie. Et bim, la retournée acrobatique, bah oui monsieur, c'est fait lober, on l'a bien vu. Oh non, l'erreur défensive de ma part, quelle erreur. Désolé, je suis vraiment navré. Ah oui, belle passe quand même, une passe de qualité de mon partenaire pour l'adversaire qui permet d'ajouter le gardien à 122 km/h quand même. T'as pas le droit de se prendre deux buts comme ça. Allez bim, hop là, on élimine. Oh, oh on est passé mon gars. Et oh le bâtard. Ah ça c'est ça me fout le seum par exemple. Putain on lui avait mis un sale truc. Petit crochet qu'on a peut-être fait. C'est terminé, double contact. Est-ce que on mettrait pas un petit but comme ça? Oh, allez, on pousse tout le monde sur la balle, voilà. Regardez ça, il était trop court, du coup je lui ai mis un petit coup aux fesses hein, quand même. Pouf. Voilà. Tac, hop là, on joue transversal. Bim. On repique dans l'axe, hop là, le contrôle orienté, hop là, le petit lob peut-être. Oh, c'est le but, exceptionnel. Beaucoup trop facile, comme je le disais. On va regarder ça au ralenti, voilà, donc là, un petit contrôle orienté, le petit lob, là, le petit sombrero piqué, et ensuite, voilà, on finit aussi encore sur une balle piquée qui prend le gardien de court, et il peut que la repousser de la main droite. Allez, bim, on n'a même pas le coup de ça, allez, rentrer, sauvetage miraculeux. Comme je le dis, rien ne relève du miracle, que de la technique, bien sûr, évidemment, et on va se centrer pour nous-mêmes. Hop là, il est où? Mais non, mais t'es sérieux mon gars? Beau tir, voilà. Exceptionnel quoi. Allez, il fait moins un centre le gars. D'accord. Je pense qu'on est encore tombé avec une lumière. Un mec fou. Tac. Tac. Et on va la redresser tranquillement dans le but. 1-0, est-ce que je pourrais tomber contre des gens qui savent jouer? Voilà. Sans vouloir me mettre en avant ni me vanter, je suis clairement plus fort. Et tac. Qu'on pourrait repartir et est-ce que je pourrais jouer tout seul s'il vous plaît parce que là c'est clairement plus dur à deux que tout seul. Mais regardez-moi ce qu'il fait ce débile. Oh putain mais qu'est-ce qu'il fait? Ah mais là il se soigner ce garçon, soigner ce pauvre garçon, il est complètement perdu. On voit bien, il a plus de repères là. Il comprend même pas qu'il faut taper dans la balle, c'est chaud quand même. Allez tape dedans. Oui il a tapé dedans, joli. Allez avec le rebond. Oh bien joué. Et bim, on ajuste. On tape le fly et bim le salto pour terminer en beauté 2-0. La manette qui vole, c'est une grande classique, voilà. Bon, c'est un but classique, hein. On attend la frappe, on pousse l'adversaire, et ensuite on sert de notre élan pour taper un petit fly aérien, saltoté en avant. Simple, on va taper dans la balle. Et bim, belle passe, oh là là, on a encore vu un dégagement de qualité. Putain, je vous avais fumé. Oh là là, mais c'est pas possible de tomber avec des brels pareils, quoi. Le mec est complètement perdu, je lui fais une passe, il sait pas où il est. Tape dedans. Ouais, bien joué. Allez. Ah non, laisse faire les grands. Oh shit. Mais putain, mais c'est chaud. C'est rare de tomber avec des mecs comme ça. C'est remarquable. Franchement, c'est le plus beau jour de ma vie. Je pensais pas voir ça un jour. Et là, vraiment, je suis tout époustouflé devant tant de beauté. Ouais, non, mais là, c'est incroyable. C'est du jamais vu, je vous le dis. Une qualité de jeu. Oh putain, mec, mais regarde ce que t'es en train de faire. Est-ce que tu te rends bien compte? C'est grave. Tu devrais aller en prison pour ça, il y en a qui sont morts pour moins que ça, tu sais. Allez bim, ça revient là-bas, tac, et hop là, on l'ajuste et ça pique sous la barre, tranquillement, c'est bien calculé, c'est précis, c'est fin, c'est délicat, c'est sous la barre et c'est exceptionnel, ça rentre, c'est un but. Le mec ne comprend même pas qu'il doit aller quand même taper dans la balle à l'engagement, hein. C'est vraiment hard. Hop là, bon, on va y aller tout seul, hein. Est-ce qu'on pourrait pas le dribbler lui pour lui mettre vraiment la honte? Bah retourne acrobatique. Ah c'est dommage, je suis pas cadré. Oh il a eu. Putain, on aurait quand même mis une petite misère. Le centre. Le mec tombe. Le mec est tombé. Genre mais même sur FIFA, tu il tombe pas comme ça les joueurs, c'est chaud. Et c'est encore une victoire 3-0, donc là clairement on peut dire que j'ai fait le match tout seul. Voilà, on va quand même pas se prendre un but direct. Voilà, bon retour défensif, ça tu dégages. Moi je dégage pas s'il te plaît, je suis quand même avec toi. Bien joué. Ça joue collectif, regarde ça. Regarde ce collectif métissé. On ajuste. Ouh, arrêt du gardien. C'est dommage.
il m'appelle au centre, et je tire juste sur la barre transversale, c'était pas loin. Enfin, on évite ce genre de contre furtif. Ah, c'est un échec de ma part. Ah, c'est un échec de toute la part de tout le monde. Allez, bim. Ça rentre ou pas? Ça rentre ou pas? Par contre, toi, tu vas la mettre. Oh, c'est chaud. Non, mais là, c'est chaud de pas mettre ça, quoi. C'était quand même plutôt pas mal. En défense, le mec me dit en défense. Bah déjà, va en attaque, essaye de mettre des buts quand je te fais la passe. Après, tu vas me reparler, peut-être. Oh, y'a, le mec dangereux. Le mec complètement cinglé, quoi. Oh! C'est facile. Mais les gars, il peut toucher la balle, hein. Vous êtes au courant, quand même, de ça. Oh, putain. Le mec dit ça, une seconde après, il rate de manière pitoyable. Oh bah joli. Oh bah c'est chaud quand même de passer à côté de trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il se fout de ma gueule, le mec me dit en défense, ça y est, je reçois un SMS, on se prend un but de merde. Marre de ce téléphone de merde. Le mec est fou. C'est vrai que j'ai une protection anti-atomique. Vous voyez cet iPhone 5 qui est donc dans une boîte. Qui est elle-même dans une boîte. Ok. 1055 pour revenir dans ce match. Ça se fait totalement. On va partir sur une petite contre-attaque. Très très simple, des familles, il y a un petit but comme ça, voilà, on se le donne, on se l'offre, c'est pour vraiment pour se faire plaisir, quoi. Je l'ai. On va essayer de repasser devant quand même au classement de... Oh, est-ce qu'on mettrait pas un petit but direct? Oh, oh, mais que se passe-t-il? Même avec le lag, le pire lag de tous les temps, regardez ça, regardez qu'est-ce qui s'est passé quand même. On est quand même passé premier notre équipe, c'est plutôt un bon retour, un retour en force. Et bim! Oh, dommage, on aurait pu même le cadrer celui-là et même le mettre. Oh, par contre celui-là... Je vais me faire un malin plaisir de le faire rentrer au fond des filets. Belle passe, beau tir, voilà. Et en 2 secondes, on met 3 buts. Voilà, on est des mecs comme ça. Nous. Il me semble qu'il y a 30 secondes, il y avait... Oh, je sais plus combien il y avait. Oui, 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 on est en galère. Oh, quel arrêt, Manuel Neuer. Là, on se projette par l'avant, on a fait un petit arrêt, on va chercher le boost. Et hop là, on tape le fly. Oh, what? Mais non! Oh là là, il a pris sa décision beaucoup trop tôt. Quel dommage, il a failli ajuster sa tête sur ce centre exceptionnel. Tout était parfait, je suis navré, c'est tellement de ma faute. Allez, encore un beau centre, encore un boss. Oh le con. Oh là, je vais vraiment me faire taper dessus par contre. Il faut y avoir 10-0 en fait. Mec, laisse-moi défendre tranquillement, genre, j'ai la balle devant moi et tu essaies de la mettre en lucarne comme ça. Est-ce que tu pourrais te calmer? On n'est pas en pièces. Voilà, et lui il va l'arrêter, et bah oui, c'est parce que lui il se fout bien de ma gueule par contre. Et c'est encore la victoire, le retour de la manette en l'air, voilà, on va même le faire 3 fois, c'est incroyable, 1000 points. 1000 points tout simplement, alors qu'il y a 1 minute, on était dernier de la partie. C'est un bon retour, 7 tirs, 3 arrêts, 3 buts. Ouais, c'est parti pour le dernier match de cette vidéo, on va essayer de faire un truc exceptionnel, de tout gagner en fait. Ok, ok, c'est parti, l'engagement il est pour nous, et l'engagement, et personne n'est parti, on va direct ajuster le tir, et ça rentre, allez. 1 seconde de jeu. Moi, je mets des buts en 1 seconde. C'est-à-dire que tous les débuts de match, voilà, il faut direct que ça rentre, sinon ça me frustre en fait. Teuf. Allez, le petit fly tranquillement pour éloigner le danger. Ensuite, on tape dans l'adversaire tranquillement. On regarde d'où tombe la balle. Elle tombe juste en dessous de nous. On fly comme ça. On fait un salto dans le vide. C'est plutôt exceptionnel. Voilà. C'est une technique d'intimidation qui s'appelle la technique de l'intimidation fugace. Ah oui. Non, alors là, celle-là, je vois pas trop comment tu voulais que je la remette. On s'est chauffé quand même sur ce tir. Ok, allez pour nous, allez pour nous. Mais tu veux pas me laisser tirer 2 secondes, s'il te plaît? J'aimerais bien quand même, parce que je fais que de la merde. La preuve encore ici. Oh, pff, allez. Dommage, parce que là, je l'avais vraiment exterminé. Pour toi, je suis vraiment désolé, tu t'es pris un dribble extrêmement sale et voilà, je sais pas si tu le méritais, ça se trouve t'as des enfants, t'as peut-être une famille, je voulais pas vraiment parce que là ça va te hanter toute ta vie, je suis désolé, ça arrive, même au meilleur. Allez bim, on part dans un contre assassin, le contre est tout sauf assassin, donc c'est le contre le pire contre de la planète. Allez, on a essayé de la redresser comme on a pu, et forcément le partenaire qui, il est là quand même, hein. Il est là à chaque fois, ça qui est bien. Vraiment, il est partout là où je vais. Mais alors, il ne sert à rien. Il fait que me regarder jouer. C'est exceptionnel. Voilà, donc là, mon partenaire est là, vous voyez. Mais voilà, comme d'habitude. Ce mec, il me fait
péter un câble. Ce mec me fait péter un câble. Mais putain, mais j'aurais déjà mis 4 buts si tu m'avais pas saoulé là. Ça rentre. Oh le. Là, c'est pas gentil ça. Moi, j'aime pas trop qu'on me fasse ça quand je fais des beaux tirs comme ça. C'est pas poli. Et en plus, qu'on me mette un but derrière comme ça et qu'on m'humilie comme une merde. Crachez-moi dessus, c'est tant que vous y êtes. Oh. Ah. Il m'a défoncé. T'as quoi, toi? Attends, il se fout de la gueule de mon arrêt, là. Il me dit quel arrêt? Bah merci, y a pas de problème. Et mon gars, il reste 2 minutes et tu vas te prendre la fessée de ta vie, mon gars. Tu voulais que je l'arrête comment, c'est là? Bon, bah alors voilà, je vais te montrer comment on apprend à tirer et comment on gagne des matchs. On sort des cages, on sort des cages. Mec, ce mec me fait que me gêner. Je serais meilleur tout seul. Ah non, mais vraiment, genre c'est ouf. Belle passe, bah oui, belle passe. Non, mais là, par contre, je suis d'accord avec toi, mon gars, regarde ça. Non, mais mec, mais regarde ce con. C'est phénoménal. Franchement, aujourd'hui, on a une brochette de cons. Après, comment voulez-vous qu'on gagne des matchs quand on tombe avec des mecs aussi attardés que ça, quoi, aussi retard? Oh putain, je suis deg. Oh, je suis dégoûté. D'accord. Et toi, il a décidé carrément de pas aller sur la balle. Le mec, elle est pour toi, ça. Voilà. Putain, il lui faut quand même que toute la défense rate la balle. Hop là, moins 1, moins 2. Contrôle orienté. Laisse-moi tranquille, laisse-moi jouer. Laisse-moi jouer, je viens de te dire. Oh non, mais là, c'est déprimant. Franchement, quoi. Tac, allez au centre, là. Allez pour toi, mon gars. Voilà, 3 partout. Bon, il faut tout leur faire, mais quand même, ils arrivent à le mettre. Et par contre, j'aimerais bien revenir en haut du classement, s'il vous plaît. Donc, on va peut-être mettre un ou deux petits buts pour terminer cette vidéo en beauté. Allez, pour toi, celle-là. Allez. BUM ! Allez, voilà, 4-3. Et celui-là, il est beau. On a attendu, on a ajusté. On a vu que le partenaire, de toute façon, c'était bien trop compliqué pour lui. On a senti dans son regard qu'il était en détresse. Mais c'est dit. Oh putain, comment je vais faire ? Il a soulevé un salto en arrière qui a permis quand même de faire une feinte puisque l'adversaire est parti, s'est passé outre la balle et on revient en haut de notre équipe. C'est plutôt pas mal. 4-3 à 18 secondes de la fin. Bon, alors là, l'adversaire est totalement déprimé. Il me semble qu'il était en train de gagner à 20 secondes. Et voilà, on a gagné. Et comme par hasard, on a encore le meilleur joueur du match. Bah, ça, c'est étrange. C'était parce qu'on est tout simplement le meilleur. Voilà, c'est la conclusion que je tire de cette vidéo. Donc, désolé, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres. Sur FIFA, sur Rocket League, sur Pac-Man. Non. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. A bientôt, tout le monde. Bye. Ok, dessus, sans trop de problème. Ronaldo. Oh, Ronaldo, c'était risqué. Mais je pense quand même qu'il y a petit point. Et en fait, Ronaldo c'est joli, Ronaldo qui conserve le ballon, Ronaldo qui conserve le ballon. Tac, Ronaldo l'arc-en-ciel, il va conserver le ballon, il va conserver le ballon. Faute, bah oui.